droite, tout ce côté-là est inondé et ils ne sont pas en zone noire. Alors que nous, qui sommes de l'autre côté de la route, nous sommes en zone noire et nous n'avons pas eu d'eau. Après le choc, c'est l'incompréhension qui a pris le dessus chez Jean-Pierre Gallet et son épouse. L'État veut détruire leur maison, eux ne veulent pas la quitter et pour cause, ils s'y sentent totalement en sécurité. Ce portail, là, s'il avait pris l'eau, ben, il n'aurait pas fonctionné du tout, il ne marcherait plus du tout. Donc effectivement, on a bien la preuve avec la hauteur du moteur que le moteur n'a pas été envahi par l'eau. On aurait eu de l'eau, on aurait été sinistré effectivement. On serait obligé de se mettre devant le fait. On dirait bah effectivement, c'est arrivé une fois, ça peut nous arriver d'autres fois, on est vraiment en danger. Tandis que là, on n'a rien eu du tout, on s'est aperçu de rien. Donc là, du coup, on a vraiment l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête, quoi. Ça, c'est clair. Jean-Pierre, menuisier à la retraite, a presque tout fait dans cette maison. Ils vivent ici depuis 30 ans. Alors évidemment, pour eux, c'est beaucoup plus qu'un simple bien matériel. C'est mes racines, ici c'est les racines de ma femme, de mes enfants. Toute notre vie a été ici et ce qui a fait mal c'est de voir comme ça sur un plan, un petit point noir et on s'est trouvé entouré. Et on s'est dit c'est notre maison. Et là ça fait mal. Hein. C'est un choc, c'est pas humain des principes comme ça. Depuis cette annonce, les Gallets sont partagés. Ils veulent se battre, mais aussi se préparer au pire. Reste un sentiment de gâchis et une montagne d'incertitudes. Le plus dur actuellement, c'est de gérer au jour le jour. On ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas où on va. On n'a plus de repères du tout. Moi, je sais que demain est comme ça. Après-demain sera autrement et je ne sais pas comment je vais avancer. Ouais, la tempête... Elle est passée, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de dégâts, mais pas chez moi. Par contre, là, les dégâts, c'est l'État qui va faire des dégâts dans ma vie. Hein. Ça va nous coucher, ça. Sans grand espoir, les Gallets vont se battre contre cette décision. Mais pour avancer et envisager la suite, il leur faudra des réponses et des explications claires sur les raisons de la destruction de leur maison.